On est plus chaud que le JT. Nous n'avons pas pu faire le 13-12 parce qu'il y avait trop de flics. De tractopelles, de quads, de pelleteuses pour détruire des cabanes au cœur d'une forêt. Non, 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 non. Oh la belle bleue! Allez, cours, Forest! Allez, en plein vent! Un cœur! Il fait un cœur! Il fait un cœur! Il veut faire un cœur! C'est pour la photo! Vas-y, pour la photo! Il y a des pères! T'as bien un cœur! Vas-y! Faire un cœur! Comme ça! Juste un petit cœur, il y a un petit cœur. Vous faire avec le chemin. Un petit cœur, juste un petit cœur. Ouais, les revenus. Ok, bon, bah pas de cœur entre nous alors. Bon, pas de cœur. Il y en a qui construisent des maisons et il y en a leur métier, c'est les détruire. Vous savez pourquoi dans les films c'est vous toujours les méchants? Vous n'avez jamais posé de questions? Pourquoi dans les films c'est vous les méchants? L'Empire, tout ça, les gens avec des casques, habillés comme vous, c'est les méchants dans les films. Nous on est les gens. Même chez Hollywood, hein. Même Hollywood le sait. Vous êtes la honte de vos enfants. Ils vous aimeront jamais. Et c'est dommage. C'est un peu fatigué, ils ont 25 kilos sur le dos. Là, on était dans le champ qui appartient à un couple de paysans historiques, donc Sylvie et Marcel Thébault, quoi. Et du coup, j'ai discuté avec du coup Marcel, qui me disait tout à l'heure que c'était le champ qui devait être à destination, enfin où les vaches devaient pâturer la prochaine fois, quoi. Et puis, si tu regardes bien, l'herbe, elle était quand même
super belle, super haute, verte. Et on a une période de l'année où elle est aussi très très riche et, et on sort de l'hiver et donc du coup là les vaches elles ont vraiment besoin de prendre plein d'énergie comme ça, là on est au printemps. Et du coup ça fait vraiment, en tout cas moi ça me faisait vraiment mal au cœur de se dire que bah du coup ce champ là il serait très certainement pas pâturé parce qu'en fait il allait avoir surtout plein de capsules de lacrymo, tout ça machin qui allait se balader et tout, et puis en plus tous les gaz là machin qui viennent sur l'herbe, tu sais pas vraiment ce que ça fait quoi. Tu vois les répercussions que ça a déjà sur nous, alors que effectivement on a des masques et tout ça, et que en fait on se tape tous des énormes angines, bronchites, des semaines après, alors qu'on essaie de se protéger le mieux possible. Tu te dis forcément que pour ces mammifères là, ça a forcément des répercussions, d'autant plus que c'est des vaches laitières qui nécessitent du coup, qui sont forcément plus sensibles, qui ont deux traites par semaine, enfin par jour. À la zone, on est tranquille ! Elle est à nous ! À la zone, on est tranquille ! Elle est à nous ! Car défendre la ZAD, c'est défendre une idée de l'expérimentation. C'est défendre un lieu réel qui lutte pour construire des imaginaires, d'autres imaginaires. Et on a vu comment l'imaginaire se fait latter la gueule à coups de grosses machines.